La diaspora des bulles, c'est votre chronique consacrée à la bande dessinée tous les matins du lundi au jeudi avant 9h sur Radio J, et une chronique que vous pouvez retrouver bien sûr en podcast sur notre site internet radioj.fr et en vidéo sur notre page YouTube. Alors ce matin, je retrouve en studio Didier Passamonique et Auxence de Lyon. Bonjour messieurs. Bonjour Nana. Bonjour. Collaborateur au site Actu ABD, je le rappelle, Didier, vous en êtes directeur de la rédaction. Alors, on va commencer par du webtoon avec vous, Auxence. On ne va pas parler d'une BD classique donc, mais d'un webtoon au nom qui fait d'ailleurs froid dans le dos, Hellbound. Alors, pour vous, Auxence, on est plutôt dans le haut du panier, c'est ça? Oui, et Nana, est-ce que vous avez vu le film Dernier train pour Busan? Alors non, je ne l'ai pas vu. En tout cas, si vous aimez les zombies, les créatures grouillantes, je recommande chaudement. Puisque le lien que je fais avec ce film, c'est que le réalisateur Yeong Sang-ho, qui l'a donc réalisé, va collaborer avec le dessinateur Choi Gyu-seok, j'espère que je prononce bien. Ouais. À vos souhaits. La brioute. Pour donc, ils ont ensemble scénarisé et donc dessiné ce Hellbound, tome 1, donc sous-titré L'Enfer, dans la collection K-Books de Veritoon. Donc K-Books, juste pour préciser, ce sont les webtoons qui fonctionnent le mieux, qui sont édités en format de livre et qui sont en librairie à côté des mangas. Les webtoons, c'est les trucs qu'on lit sur les smartphones. C'est ça. Ouais. Ah pardon. Alors oui, les webtoons, c'est en format vertical. Enfin, on l'a pas rappelé, mais ouais. C'est important. Ah oui, je m'emballe un peu quand on parle de webtoons. Et la collection K-Books, donc, les édite en format de manhwa, donc de manga coréen. Alors c'est une bonne porte d'entrée vers le webtoon, ce Hellbound que vous nous présentez. Oui, tout à fait. Donc, on est dans le thriller fantastique. Donc, des créatures vont prévenir les humains qu'il ne leur reste que quelques heures ou quelques jours à vivre. Et donc, C'est vrai. Et justement, les humains vont réagir de façon différente. Certains vont se réfugier dans la religion. D'autres vont essayer de faire respecter la loi malgré tout. Donc, on va observer la société humaine se comporter un peu comme une fourmilière, donc très intéressant. Mmh. C'est entre l'horreur, l'action, mais aussi le drame familial. C'est imprévisible. Et je pense que pour vos longues soirées d'hiver, ce Hellbound pourrait bien vous réchauffer. Eh bien, merci pour vos conseils, Auxence de Lyon. Alors, on va parler à présent d'un très beau livre, très beau roman graphique ou BD. Je ne sais pas comment il faudrait présenter cette œuvre qui devrait me plaire. C'est un message personnel que vous m'adressez aujourd'hui. Absolument, Didier, subliminal même, je crois. C'est 47 cordes par Timothée Le Boucher. Voilà, c'est fait par un tout jeune auteur, enfin tout jeune, il a 33 ans, mais surtout il avait surpris et ébloui tout le monde avec différents ouvrages, d'abord Les Vestiaires, La Boîte à Bulles, puis ensuite Ces Jours qui disparaissent chez Glénat. J'avais beaucoup pleuré d'ailleurs. Voilà, et puis Le Patient, qui est un thriller psychologique. Les deux derniers albums sont chez Glénat, qui lui aussi était tout à fait remarquable. Et avec ces trois albums, ces quatre albums, en fait, on peut constater simplement qu'il a beau avoir 33 ans, on est devant un auteur essentiel, fondamental. Ah oui, à ce point, du coup. Ah oui, absolument. C'est une œuvre très mature, où on trouve des thèmes récurrents comme l'identité, le trouble, le double, le rêve. Timothée est à la fois scénariste, dessinateur, coloriste. Il excelle dans l'ancrage élégant et les couleurs délicatement veloutées. Il y a chez lui une douceur, une justesse dans l'expression, une beauté qui rayonne dans tous ces personnages. Chez Raphaël, c'est le Raphaël de la bande dessinée, quoi. Alors, moi, j'ai déjà une petite idée, mais c'est quoi le 47 cordes, Didier? Ah, mais moi, je vous pose la question. C'est vous, la spécialiste. Pour moi, 47 cordes, ça correspond à toutes les cordes d'une harpe. C'est exactement ça, parce que le héros, il est harpiste, et donc c'est sûr que c'est un album qui va vous intéresser de près. Et de quoi ça parle? D'un jeune homme qui est beau, ténébreux, qui a un charme fou, et sur lequel une mystérieuse créature fantastique a jeté son dévolu. Pourquoi? Pour le moment, on n'en sait rien. Sauf que cette créature peut se métamorphoser comme elle veut, et donc elle se métamorphose en une femme ravissante, sexy, irrésistible. Enfin, irrésistible, ouais. Sauf pour le jeune gars qui n'a pas l'air sensible au charme de la dame et semble même un peu effrayé. C'est intriguant, alors, cette histoire. Ça donne envie d'en savoir plus. Oui, en effet. Alors, est-ce qu'il est gay? Parce que c'est peut-être ça, la réponse. Ben, non, alors, la chose se métamorphose en un bel athlète, un kouros, un magnifique, digne d'Apollon. Et là encore... buisson creux, enfin, c'est-à-dire tout le contraire, c'est pas un buisson ardent, quoi. en réalité, son cœur est déjà pris par une autre. Ah oui.
oui. Alors, notre jeune musicien qui cherche à remplacer les 47 cordes de sa harpe, c'est une harpe de concert. Une harpe à pédales, oui. Ouais, c'est ça, il y a 7 pédales. C'est très difficile d'ailleurs de changer une corde de harpe. Hein. Exactement, et donc fait la rencontre d'une opulente cantatrice avec laquelle il va faire un pari faustien. C'est-à-dire qu'en échange de chacune de ces 47 nouvelles cordes, il va devoir faire des choses un peu bizarres. Eh bien, ça nous donne envie, tout ça, en tout cas. Le dessin est magnifique. Le lecteur est perdu dans des scènes fantasmagoriques, entre des petites intrigues d'orchestre, et puis aussi des séquences qui font penser à l'Orphée de Jean Cocteau. C'est le premier volume d'un diptyque dont on sent qu'il va faire date. Mmh. Moi, je vous le recommande vivement. Et si on est profane de la musique, on peut... Absolument, absolument. Et on n'est pas profane du trouble, et il y en a dans toutes les pages. Ouf alors. Eh bien, c'était très poétique, en tout cas. Merci beaucoup, Didier Passamonique. Encore une autre BD à offrir pour les fêtes. Et c'est publié chez Glénat. Chez Glénat. Eh bien, c'est 47 cordes. Merci beaucoup, messieurs. J'aurai le plaisir de vous retrouver la semaine prochaine. À la semaine prochaine. À bientôt.